j'ai senti quelqu'un, effectivement, il m'a dit, je suis dévastée, cette affaire, voilà, je pensais avoir fait avoir eu les bonnes réactions, en me tenant à distance, en préservant votre vie privée, et j'ai fait une erreur, voilà, à ce qu'il m'a dit, il me dit, je suis dévastée, donc oui, je peux bien l'écouter, je peux comprendre, voilà, il y a un avenir et tout ça. Et j'ai eu l'impression que quand il m'a dit, je suis dévastée, oui, je l'ai ressenti. Il était comme moi, tout tremblant, tout, voilà. Je pense qu'on était dans le même état d'esprit aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Oui. C'est important. Après, on verra, on déterminera les erreurs, pour qui, pourquoi, voilà. Après, c'est le rôle de la justice. Nous, on reste humain, je suis en centre de rééducation, on me dit que je vais pouvoir remarcher. Voilà, je garde de l'espoir, c'est le principal. Ça se passe plutôt bien, c'est vrai que j'ai une très bonne équipe de kinés qui est derrière moi, qui est au centre, qui sont vraiment très compétents, et kinés, d'orthoprothésistes, et ils vont m'appareiller, donc effectivement. Alors, je vais peut-être avoir une intervention fin février à nouveau, pour gagner en flexion de genou, mais bon, on a réussi à sauver la jambe, c'est important. Et là, aujourd'hui, déjà, je remarche avec une prothèse fixe, mais je remarche 400 mètres à peu près, donc c'est une grande victoire. Bienvenue qu'on se rencontre la semaine prochaine. Il vient me voir au centre Carpap et je trouve que c'est plutôt bien. Ouais.